vous êtes rendu complice du coup d'une personne qui a tenté d'assassiner le roi. Complice? Non mais comment ça complice? Non mais c'est... Et puis quoi encore? J'étais même pas au temple moi, oh! Vous avez laissé rentrer quelqu'un qui a maquillé le corps, vous entravez l'enquête. Mais je n'y connais rien là-dedans, d'habitude... enfin oui, bah c'est... On envoie toujours quelqu'un du temple, généralement c'est un prêtre, etc. Enfin bon, ils sont toujours habillés de la même manière, moi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas! Quel royaume de nains qu'ont laissé que des incompétents à la garde, franchement. De nains compétents, ouais. On tire à rien de plus de vous, donc je retourne voir Ibilia. Il te chope par le bras et il t'emmène. Bon, allez, vous allez finir en tôle. Écoutez, mon brave, on a des choses plus importantes que l'ego de la garde. Il y a des choses de graves qui s'est passé aujourd'hui. Je ne vous félicite pas, mais on va dire que vous ne pouviez pas savoir. Vous n'êtes que garde de la citadelle de temps en temps, apparemment. Faites attention, ça ressemble quand même à de l'outrage à agence, hein, aussi. Hein. Oui, oui, bah quand les agents font correctement leur travail, on les respectera. Hein. Donc là, excusez-moi, mais un vous allez corps voir, qui je vais saigne... faire correctement mon travail, vous allez pas apprécier. Ah oui, bah alors si vous voulez, moi je vais aller voir le conseil et puis je vais leur dire que la personne qui a essayé de tuer la future reine, et ben en fait c'est de votre faute. Et puis quoi encore? Voilà. Donc bon, je disais donc, ce corps qui a saigné anormalement, c'est parce qu'il était vivant. Donc c'est un peu de votre fait qu'il soit mort, parce qu'en fait il est mort sous vos yeux. Est-ce que c'est ma faute si j'y connais rien en médecine légale? Non, bon, alors... Ça s'appelle de l'incompétence. Non, mon travail, c'est la paix. Mon travail, c'est pas de... Ah oui, bah là, je peux vous dire qu'il repose en paix, le pauvre, maintenant, grâce à vous. Et bah voilà, bah, c'est parfait. Mec, il va se faire virer le lendemain, c'est pas possible. Je te jure, on va le faire virer, de toute façon.